C'est compliqué de vivre à trois dans une pièce de 30 mètres carrés. Bonjour, je m'appelle Émile Mars, j'ai 23 ans, je suis barman à Place de Clichy, à Paris. Et je vais vous expliquer mon parcours du combattant pour essayer de trouver un appartement décent. Je vivais avec deux amis dans un 30 mètres carrés. On avait une seule pièce commune où on vivait ensemble et j'ai vécu comme ça pendant 2 ans et demi. C'était très compliqué de trouver un appartement vis-à-vis de nos situations. Je suis en CDI, mais je suis au SMIC en 24 heures, donc c'est pas toujours facile. Après, mes amis, eux, étaient aussi en CDI. Il y en avait l'un qui touchait 2200 euros par mois, l'autre qui touchait quand même 1500 euros. On était tous en CDI, on avait tous deux garants. Et malgré ça, c'est arrivé plusieurs fois qu'on nous refuse, enfin c'est arrivé quasiment à chaque fois en fait qu'on nous refuse un appartement juste parce que voilà, on est trois garçons qui ont 20 ans et que dans la tête des bailleurs, ça colle pas. Puis après ça, mon ami François a contacté Gestia Solidaire et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que tout de suite on a eu une proposition d'appartement pour 1100 euros par mois à deux, donc avec les appels, ça fait un loyer plus que correct. C'était vraiment une bonne opportunité pour nous, parce que grâce à ça, aujourd'hui, on habite à Montrouge, qui est une commune paisible. Enfin, en tout cas, on vit mieux qu'à Saint-Denis.